Combien d'habitants de Chicago se souviennent du mois de mai 1886 et les journées d'un violent combat dans la guerre sociale? Pour Howard Zinn, c'est ici que fut écrit un chapitre fondateur dans l'histoire des travailleurs du monde entier. Nous sommes à Haymarket Square avec Tim Yeager du syndicat national automobile et Matt Muchowski du IWW de Chicago. C'est ici, à l'emplacement de ce parking, que fut inventé le 1er mai et la journée de 8 heures, dont beaucoup de travailleurs bénéficient aujourd'hui à travers le monde sans en connaître l'histoire. La plus grande des manifestations de ce 1er mai 1886 était ici à Chicago. La principale revendication de cette série de grèves dans tout le pays, c'était la journée de travail de 8 heures. À la fin du 19e siècle, les journées de travail sont de 10 heures, 12 heures par jour, 6 jours par semaine. En 1886, le mouvement pour la journée de 8 heures s'étend à travers le pays. Et le 3 mai 1886, manif devant les usines McCormick, la police tire dans la foule, 4 ouvriers sont tués et des dizaines sont blessés. Le lendemain, 4 mai, la gauche anarcho-syndicaliste appelle à un meeting de protestation ici même, Haymarket Square. C'était une journée ensoleillée. Lucy et Albert Parsons étaient venus avec leurs enfants. Chacun avait mis ses plus beaux habits. Et la police, qui était aux ordres des capitaines d'industrie, cherchait une occasion d'attaquer les manifestants. Ailleurs dans le pays, certains cortèges des manifestants ont été attaqués par la police. Et ici, à Chicago, où la manif était bien organisée, ils n'ont pas eu cette opportunité. Et donc ça s'est très bien passé. La foule est ensuite venue vers ici, à cet endroit, et les orateurs sont montés sur une charrette pour s'adresser à la foule. Au moment où la manif se disperse, un bâton de dynamite est lancé sur les policiers. 8 policiers sont tués et une soixantaine sont blessés. En réaction, la police tire dans la foule. 2 sont blessés et on ne sait pas combien de morts parmi les ouvriers. Qui a balancé la bombe? On n'a jamais su. On soupçonne une provocation signée Pinkerton, la fameuse agent de détective privé qui employait déjà plus de 10 000 agents au service du patronat et dont les agents savaient s'infiltrer parmi les ouvriers pour renseigner la police et pour faire ce genre de provocation. Ça a été le prétexte pour une attaque à travers tout le pays contre le mouvement ouvrier. Oui, ici à Chicago, la police a fait des descentes dans les locaux syndicaux. Ils ont passé à tabac les ouvriers encore en grève pour la journée de 8 heures. Incapable de trouver les coupables, la police arrête les syndicalistes qui ont organisé le meeting. Aucune preuve contre eux. C'est une parodie de justice. En réalité, c'est bel et bien pour leurs idées qu'ils sont condamnés à la peine de mort. L'un d'eux, un jeune charpentier, Louis Sling, se suicide en prison avec une cartouche de dynamite. Il a 21 ans. C'est un procès pour l'exemple. On a ressorti tous leurs écrits sur le mouvement ouvrier et l'anarchisme comme preuve à charge. C'était une exécution publique? C'était sur invitation. Et ceux qui étaient invités, c'était les capitaines d'industrie, les riches et les puissants. La famille McCormick était invitée, c'est-à-dire les propriétaires du journal qui est aujourd'hui le Chicago Tribune.
Lorsqu'un journaliste complaisant a demandé à un des spectateurs pourquoi il était venu assister à cette exécution, celui-ci a répondu « Je suis venu assister à la mort du mouvement ouvrier ». Quatre seront pendus le 11 novembre 1887. Auguste Spies, Albert Parsons, Adolf Fischer, George Engel. Conséquence de cet événement à travers le monde, en 1889, à Paris, le 1er mai sera adopté comme journée de la lutte pour les 8 heures. La lutte pour la journée de 8 heures, c'est la reconnaissance du droit de vivre en dehors du travail. Mais c'est seulement le 23 mai 1919, après 4 années de sacrifice dans les tranchées, que les travailleurs français obtiendront la journée de 8 heures. Le 1er mai sera désormais chômé. En 1893, les martyrs de Haymarket seront pardonnés par le gouverneur progressiste de l'Illinois, John P. Atgeld. Il accorde sa grâce aux 3 autres syndicalistes toujours en prison. Il a dit « Oublions tout ça ». Il faut maintenant gracier ces 3 hommes et laissons-les vivre leur vie. Sur l'échafaud, la corde au cou, l'un des martyrs, Auguste Spies, avait déclaré « Le temps viendra où notre silence sera plus puissant que les voix que vous étranglez aujourd'hui. » En 1889, la deuxième internationale qui regroupe les mouvements socialistes d'une 20aine de pays veut unifier la voix des travailleurs. Elle décrète donc qu'à partir de 1890, chaque 1er mai sera une journée d'hommage aux morts de Chicago et d'action pour obtenir les 8 heures de travail journalier. Les années suivantes, les manifestations ouvrières restent mouvementées. Le 1er mai 1891, à Fourmies, dans le nord de la France, les forces de l'ordre tirent sur les grévistes pacifiques et tuent une dizaine de manifestants. En France, il faut attendre le 23 avril 1919 pour que le Parlement français, sous l'impulsion de Georges Clemenceau, écoute les revendications des travailleurs et adopte la journée de travail de 8 heures. En 1941, le maréchal Pétain fait du 1er mai un jour non travaillé mais payé. Mais il en change la symbolique pour gommer son aspect revendicatif. La fête des travailleurs devient la fête du travail et de la concorde sociale. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1948, une loi entérine définitivement le 1er mai comme un jour férié, chômé et payé. La fête du travail, telle qu'on la connaît désormais, est née. Aujourd'hui encore, elle garde un caractère politique. Syndicats et partis de gauche descendent dans la rue pour porter leurs revendications. Depuis une trentaine d'années, l'extrême droite tente de son côté de s'approprier cette date en honorant Jeanne d'Arc. Qui célèbre le 1er mai aujourd'hui? Si en Amérique du Nord, on célèbre plutôt le Labor Day, le premier lundi de septembre, le 1er mai est férié dans au moins 107 pays du monde, dont la quasi-totalité de l'Europe. Signe que 140 ans après sa naissance, cette journée reste une date importante. Salut. Ça va? Toute fraîche là, gardoise à la chair de poule.
Salut. Ça va? Ouais. Ça va. C'est un pote, peut-être. Le jeune homme. Ça va? Vois plus rond-point. Attends, je vais filmer. Ah, ouais. Ouais, normalement, je te mets ta plaie en hauteur. Faut lever tes lunettes, autrement, tu ne reconnaîtras pas. Bonne présence. Salut tout le monde. Bonjour. Bonjour. Il y a Sylvain qui me dit. Je connais personne. Mais c'est d'ici. Ça va ? Bonjour. Bonjour. Alors attends. Vous pouvez ? Attends. Vous pouvez le tirer. Vous pouvez le tirer bien, comme ça on voit bien. Pardon. Je filme. Pardon, pardon, je vais filmer. Ah tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. La République du Curfu. Ça doit être une nouvelle République bananière. Je sais pas. Il n'y a pas Joël. Hein. Je vous filme. Oui. Pardon. Pardon. Merci. Bonjour. Ah oui. Allez, si vous avez des cours à la fac, on est en train de vous. Voilà, ça c'est l'explication. Et c'est tout. Il n'y a pas de chute. Eh bien, on n'est pas beaucoup. Voilà, la question. Je filme votre joli. J'aimerais bien savoir où sont ceux qui parlent. Je vais vous mettre à l'heure, si vous voulez, on va vous laisser répondre.
Ah, camarade voilà. De l'hygiène sociale. Salut Pascal. Ah, je serai là mercredi. Ah ben c'est bien. Ouais. Ah, je fais ce que je peux avec les problèmes de santé des fois. Ben oui, mon mari, mon gars. Il n'y a pas trop de doute. Il y aura des discours là. Ah, nous, c'est une déclaration de, voilà. D'une étudiante, mais je vais faire l'après, la fin. Bien. C'est vous qui après, là, on est libre, on n'a pas de chef aujourd'hui. Non, mais peu importe. Ouais. L'essentiel, c'est de. Voilà, donc. Non, mais il y aura des trucs, je pense. Je pense que ça a été vu avec l'intersectionnel. Oui, ils ont dit. Pas très nombreux. Et bon, on est dimanche, pas contre ça. Oui, mais enfin, quand même. Non, mais même les dernières manifs de l'intersectionnel et autres, 300 personnes, on se posait des questions. Eh oui, les gens réalisent pas le dingue. Oui, dis la banderole. Moi, je continue de me battre comme je peux pour l'hôpital, pour enlever le stress sanitaire. Ce n'est pas la banderole de tête que je trouve est une ignominie. Bah non. Bah écoute, ça passe pas. S'il y a comment que ça choque, écoute. Non, ça décourage quand même. Hein. Ah, bah, y a pas de... Moi, je suis découragée. Enfin, tiens, je dis, Alain. Je dis à mon médecin, si vous voulez aller à l'hôpital, il me dit qu'il faudrait faire un bilan. J'ai dit, si vous voulez aller à l'hôpital, vous me faites une lettre d'exemption de passe. Okay, il n'y a pas de banderole. Il dit, Kader, qu'il n'y a pas de banderole. La seule banderole qu'il y a, c'est de vous, si c'est vous. J'ai dit, vous me ferez une lettre d'exemption. Pourquoi il nous filme, madame? Non, non, ben, je dis, ben, j'y vais pas. Vous serez responsable de la victime, moi, les gens. Pourquoi il nous filme? Non, mais c'est lamentable. On fait des films tout le temps. Non, non, c'est mais des films pour toutes les manifs. Moi, j'ai une chaîne voilà. Où il y a tous les films de toutes les manifs. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas journaliste. Mais moi, je veux savoir quand on me... Non, mais je te dis... J'ai actualisé parce que ce n'est pas l'émission. Économique et sociale est en effet marquée par l'aggravation des inégalités, de la précarité et par la crise écologique qui s'accélère dangereusement. Les questions des salaires, des services publics, de protection sociale et de transition écologique devraient être au cœur des débats et amener à des réponses concrètes. L'exigence de paix est aussi une revendication syndicale dans le contexte terrible des guerres, notamment en Ukraine. Les organisations syndicales CGT, UNSA, FSU appellent unitairement pour faire de ce 1er mai revendicatif un temps fort de la mobilisation pour les salaires, les pensions, la protection sociale, les emplois, les services publics, l'engagement de la rupture écologique et la paix. Pour une rupture profonde en matière salariale et pour les pensions, avec un taux d'inflation qui s'emballe, la situation faite aux agents du public comme aux salariés, aux retraités, aux privés d'emploi, comme aux étudiants, n'est plus tolérable.
tandis que les milliardaires en France ont accumulé 236 milliards supplémentaires lors de la pandémie. Dans le public comme dans le privé, le travail des salariés doit être reconnu à la hauteur de sa valeur, des richesses qu'il crée et garantir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Les étudiants et étudiantes doivent pouvoir également faire leurs études sereinement, sans subir la précarité. Les pensions de retraite doivent être également revalorisées. Ce 1er mai, exigeons des mesures fortes et générales d'augmentation des salaires et des pensions, des bourses étudiantes et un plan de rattrapage des pertes accumulées. Pour arrêter de malmener les services publics, alors que les services publics contribuent à répondre aux besoins de la population et à réduire les inégalités, pour les organisations syndicales, il est aujourd'hui temps de reconnaître la valeur et l'engagement de leurs agents en améliorant leurs conditions de travail et en revalorisant d'urgence le point d'indice. L'urgence est en effet au renforcement et à la consolidation des statuts et à l'embauche massive et à la juste rémunération de tous les fonctionnaires. Pour défendre et conforter notre modèle social, les organisations syndicales continuent d'exiger la suppression de la réforme de l'assurance chômage et comme elles, elles s'opposeront à tout projet visant à reporter l'âge légal du départ à la retraite. La préservation de notre modèle social et de son financement passe par la lutte contre le chômage, par les augmentations de salaire, par la lutte contre l'évasion fiscale ou encore par la fin des exonérations de cotisations sociales non compensées par l'État. Pour la transition écologique, ce 1er mai doit être l'occasion d'exprimer la nécessité de mesures fortes et immédiates pour éviter les conséquences dramatiques du dérèglement climatique pour les écosystèmes et les populations. Cette question concerne au tout premier chef le monde du travail. Pour lutter contre les semeurs de haine, les organisations s'indignent de la montée des discours d'extrême droite qui propagent la xénophobie, le racisme et l'antisémitisme, qui rejettent les luttes sociales, le féminisme, l'humanisme ou encore les identités sexuelles et de genre. Les organisations appellent à faire de ce 1er mai un moment fort de réaffirmation des valeurs de solidarité et d'égalité et d'opposition à toutes les formes de discrimination. Pour la paix et la solidarité internationale, fidèle à sa tradition internationaliste, le mouvement syndical placera aussi ce 1er mai sous le signe de la solidarité avec le peuple ukrainien et tous les peuples victimes de guerre. Les réfugiés, d'où qu'ils, elles viennent, doivent être accueillis dignement et sans discrimination. Les citoyens, citoyennes russes et biélorusses qui expriment leur opposition à la guerre doivent être soutenus. Nos organisations dénoncent l'agression de la Russie et militent pour la paix. Celle-ci passe par un retrait immédiat des troupes russes du sol ukrainien et par un retour à la diplomatie afin de dégager une solution respectueuse des droits des peuples et du droit international. Les crimes de guerre doivent être dénoncés et punis, quels que soient les pays où ils sont commis. Enfin, les organisations syndicales exigent une politique d'accueil humaniste qui soit la même pour toutes et tous les réfugiés, quel que soit leur pays d'origine. Pour toutes ces raisons, faisons ensemble de cette journée une belle et grande fête des travailleurs et des travailleuses. Face aux multiples attaques que nous subissons, face à l'extrême droite, on ne lâchera rien. Thank you.
Ils ont dit que dans toutes les villes, Patrick il est parti à le deuxième, il est parti à Dijon. C'est quoi ça? Ah, c'est une chasse. Frédéric, je veux prendre ton drapeau, tu le tiens? Je n'avais pas vu de l'Union populaire, très bien. Vous auriez là, on les a eu à Paris. Vous auriez pu mettre législative aussi. Écoute, on les a eu à Paris le jour de la marche du... Oui, la marche. Quel jour, là. Enfin, je l'ai pris sur une camionnette. Ben non, mais il est beau. Hein. Non, mais... Alors, ils sont beaux, mais ils ont un inconvénient. Regarde, ils sont en crème en vert. Voilà. Tu vois, il n'y a qu'un... Ouais, il n'y a qu'un, voilà. Voilà. Tout à fait. Oui, c'est dommage, mais en fait, ça fait rien. Il y a des professionnels qui ne pensent pas bien loin. Parce que les plus anciens, les autres drapeaux de la France insoumise, par exemple. Je vois des deux côtés. Nous sommes face aux lumières, un même combat contre les exploiteurs, par-delà les frontières. Nous sommes face aux lumières, un même combat contre les exploiteurs. Devenir leader non, je me suis dit, c'est rigolo. Non, mais c'est pour bousculer les lignes. J'ai bien compris. Le truc, c'est que voilà, ils sont loin, éloignés de la charte d'Amiens. Et du coup, voilà, c'est pour ça. Ils ne sont pas véritablement dans le lien avec les salariés. Tu vois, si ça se casse la gueule, ça fout mal. Ah oui, oui, bien sûr. Un petit fasciste. Il y a tout, là. Israël. Ah, t'as téléphoné. Je ne savais plus de quoi il s'agissait. Le drapeau est très beau. Pardon, c'est bien ça. Ah, ça a l'air. Il y a quelque chose derrière? Non, juste des poussières.
c'est pour la France pas les lunettes et tout ça. Bah ouais, tu vas bien? Ouais, bof. Bof, ce soir. C'est comme tout le monde. Patrie. Ni à Sony.
ni à Saint-Louis. Tout le monde attend. Le petit père Macron à la poubelle. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Voter pour l'union, c'est la solution. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Le petit père Macron à la poubelle. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Voter pour l'union, c'est la solution. Le père Macron nous a promis. Le père Macron nous a promis. Je vous entends pas, on recommence. Le père Macron nous a promis. Le père Macron nous a promis. La retraite à 65 ans, la retraite à 65 ans. Mais son coup va rater, car nous on va lutter. Dansons la Carmagnole, vive l'Union, vive l'Union. Dansons la Carmagnole, vive l'Union populaire. Le père Macron nous a promis. Le père Macron nous a promis. De prendre aux pauvres pour les riches. De prendre aux pauvres pour les riches. On n'a pas compris. Macron, Macron, on n'en veut pas une seule solution, c'est voter pour l'Union. Macron, Macron, on n'en veut pas une seule solution, c'est voter pour l'Union. Macron, Macron, on n'en veut pas une seule solution, c'est voter pour l'Union. Macron, Macron, on n'en veut pas une seule solution, c'est voter pour l'Union. Macron, Macron, on n'en veut pas. Une seule solution, c'est voter pour l'Union. Macron, Macron, on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour la 6ème République, pour récupérer nos slips. Et Macron et toute sa clique, nous on est là. On est là. Oh,
dalle. De l'argent, il y en a dans les poches du patronat. De l'argent, il y en a pour nos pouvoirs d'achat. De l'argent, il y en a dans les poches du patronat. Moi je fais de l'intrusion dans les lignes. Oh c'est pas ennemi hein. Il y a que toi de dos. Bah tu vois avant. Ah ouais. C'est pas fini. Il y a des gens qui me disent bon, c'est pas qui. Seule solution, c'est voter pour l'union. Dans les deux circonstances, ça va pas, ça.
Pour les deux circos. Pour les deux circos. Pour les deux circos. C'est bien. Oui, oui. Pour les deux circos. Dans les deux circos. Yeah.
des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes, l'oisif ira loger ailleurs. Combien de nos chers se repaissent, et si les corbeaux les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brille.
血已经沸腾，要为这里而闹嚷，叫世界打个落花流水，弄你们起来起来，不要说我们一无所有，我们要做天下的主人，这是最后的斗争，他也想de flammes, y a moins de feu, moi j'aimerais redevenir un point levé dans un ciel de 1er mai. Je peux pas croire que t'aies oublié nos banderoles, nos défilés quand tout semblait encore possible, les heures au pied des cheminées de nos usines quand on luttait. Me dis pas que tous ces combats n'ont rien laissé au fond de toi, je te connais. Devenir un point levé dans un ciel de 1er mai. C'est plus un monde pour nous, je sais, mais accepter comment je pourrais. L'idée que ça n'est servi à rien, qu'on soit balayé comme des chiens, au nom de la loi du plus fort, au nom de la loi du moins mort, j'en crèverai. Au nom de quoi, au nom de rien, au nom du fait que les gens viennent, ça les effraie. Une nuit de points levés dans un ciel de 1er mai. On pourrait délaisser nos blondes et ce comptoir une seconde si tu voulais. On pourrait se jouer de la montre, se souvenir qu'un autre monde on y croyait.